Oui, commandant. Vous voulez quelque chose ? Saren et vous, vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez ? Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skillienne. Je collaborais avec Saren pour localiser et éliminer une menace terroriste. Saren a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérait Saren. Sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Il a tué sans sourciller des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. J'entends bien. Mais vos allégations sont très graves. Je ne peux pas. Mais c'est sérieux. Ma réputation est en jeu. Je me suis confié à la favorite en privé, et elle a trahi ma confiance. Réjouis. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer un représentant de votre espèce humaine. Je suis l'ambassadeur Kaylin. Sincère. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Au revoir, ambassadeur. Chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée, humaine. Passez un bon séjour dans la cité. Bonjour, humaine. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaires et je ne veux pas être dérangé. Vous avez l'air soucieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider ? Alarmé. Vous êtes au courant, n'est-ce pas ? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Azari. C'est elle qui a tout déclenché. Qu'est-ce que cette Azari a bien pu faire pour vous mettre dans un tel état ? Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. Où se trouve cette favorite Azari ? Vous la trouverez de l'autre côté du pont. Son établissement est très facile à repérer. Bonne journée, humaine. Il ne fait jamais nuit ici. On dirait que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. Critique. Un minimum de politesse, Dean. Présentez-vous tout de même. Je suis Dean Korlak, ambassadeur Volus. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain ? Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous, les humains, vous êtes nouveaux à la citadelle. Et pourtant, le Conseil vous a accordé une immense faveur. Réprobateur. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle. Des détails. Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien. Au revoir, ambassadeur. C'est cela. Bonne journée, être humain. Alors, Garrus, vous regrettez d'avoir quitté le SSC ? Si je regrette ? Elle est bonne, celle-là. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sauver des millions de vies, de se mesurer à un spectre et d'être au-dessus des lois. Exactement. Et puis je préfère faire le boulot moi-même, au moins je suis sûr qu'il sera bien fait.
Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer ? Ah, essayez un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humaine. Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi, et tu trouveras un ami. Vrex, je crois qu'on va bien s'entendre. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. À chaque fois que je suis en visite, le SSC me fait un petit discours de bienvenue. Fist sait qu'on arrête. À couvert ! Ils en viennent partout ! Ils en viennent partout ! On bouge plus! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire! C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, ouais. C'est vrai. Bonne idée. Jamais pu blairer Fist, de toute façon. Ça aurait été plus rapide de les tuer. Tuer n'est pas la réponse à tout. Je me rends! Dis-moi où est la carienne et je ne te flingue pas le genou. Elle n'est pas là! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure! Il sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez, attendez. Je ne sais pas où est la carienne. Mais je sais comment la trouver. Elle n'est pas là, elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne. Même moi, je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas.
Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de Saren qui l'attendront. Dis-moi où ce rendez-vous doit avoir lieu avant que je te fasse sauter la tête. Juste ici, dans la ruelle, près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Qu'est-ce que vous faites ? Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. Beaucoup de gens sont morts à cause de lui. Il l'a bien cherché. Allez, on bouge. On doit sauver la Carienne. Vous l'avez avec vous ? Où est le courtier de l'ombre ? Où est Fist ? Ils vont arriver. Où est la preuve ? Non. Le marché est annulé. J'ai tendu une embuscade. J'aurais dû me méfier de lui. Vous n'êtes pas blessé ? Non, je sais me défendre, mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que sa reine est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang ? Mais pas ici. Trouvons un endroit sûr. Nous pourrions l'emmener à l'ambassade humaine. Votre ambassadeur voudra voir ça de toute façon. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Khoras. Vous savez combien de... Qui est-ce ? Une Carienne ? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard ? Cette Carienne peut nous aider à démasquer sa reine. Je vous l'aurais expliqué si vous ne m'aviez pas sauté à la gorge. Mes excuses, commandant. Toute cette histoire m'a mis les nerfs à vif. Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle. Je m'appelle Tali. Talizora Narraya. Nous voyons peu de Cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage, mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous, quelque chose de valeur ?
des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Geths. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Geths ne s'étaient jamais aventurés au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Geth jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Geths grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau ? C'est mon peuple qui a créé les Geths. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée, mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par « nous avons fait un grand pas en direction du canal » ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la balise. Un artefact protéen, peut-être. Ou une arme. Attendez. Saren n'était pas seul. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs ? Une race extraterrestre inconnue, peut-être ? D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Geths. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les Geths, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que Saren sait comment provoquer leur retour. Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Ça ne va pas être facile à présenter. Ils risquent de ne pas en tenir compte. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que Saren est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder. Et la Carienne ? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission ? Saren menace la galaxie tout entière. Mon pèlerinage peut attendre. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du Conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour.
Excusez-moi, commandant Shepard, vous auriez quelques minutes à m'accorder. Commandant Shepard, je m'appelle Samesh Bhatia. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Que voulez-vous ? Ma femme était marine. Elle servait dans la 212e sur Eden Prime. J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer, mais l'armée a refusé. Pourquoi ça ? Il doit y avoir une raison ? Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. On s'en occupe. Le responsable de mon dossier s'appelle Monsieur Bosker. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar chic là-bas. Merci, merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Commandant, vous avez parlé à Monsieur Bosker. Est-ce qu'il accepte que je récupère le corps de mon épouse ? Pas encore. Je reviendrai vous voir quand j'aurai du nouveau. Merci, commandant. Vous êtes le commandant Shepard ? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Oui. J'ai appris que vos services avaient refusé à un certain Samesh Bhatia de récupérer le corps de sa femme. Ah oui, monsieur Bhatia. Bon, je comprends parfaitement sa frustration et j'aimerais pouvoir l'aider. Monsieur Bhatia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nirali Bhatia était mort sur Eden Prime. Or, l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps. Vous pensez que son corps est dangereux ou contaminé ? Non, commandant. Nirali Bhatia ne représente aucun danger. Bien au contraire, son corps est extrêmement précieux pour l'Alliance. Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des Geth. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Bhatia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière. Je comprends vos raisons, mais ça ne vous donne pas le droit de conserver le corps. Commandant, si quelqu'un peut comprendre les mesures que nous devons prendre pour protéger l'humanité, c'est bien vous. Je suis d'accord, mais pas au prix de notre humanité. C'est justement pour lutter contre ce genre d'agissement que je me suis engagé. Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à Monsieur Bhatia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Dites à Samesh que nous allons renvoyer le corps sur Terre. Je vais m'en occuper personnellement. Ah, commandant, vous avez du nouveau ? J'ai rappelé à Monsieur Bosker pourquoi nous combattons. Votre femme sera bientôt à vos côtés. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse. Mais au moins, je vais retrouver la paix. Au revoir, commandant. Bienvenue. Mon nom est Nelina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite ? Je ne peux pas simplement aller la voir ? Malheureusement, non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Que faites-vous ici, Nelina ? Je suis l'une des acolytes de la favorite. La plupart des gens ici, aujourd'hui, ne verront pas la favorite, mais ils attendent le même service. Notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfaits. En quoi consiste ce service ? Chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres. Certaines d'entre nous apaisent par le chant, d'autres par la conversation. Nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients. Ma spécialité est le toucher.
Du bout des doigts, je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer. J'aimerais profiter de vos services. Parfait. Je vous rajoute sur la liste d'attente et nous nous reverrons d'ici, voyons, 3-4 mois. Personne ne vaut la peine qu'on attende aussi longtemps. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose? Qui est la favorite? Que fait-elle? C'est difficile à expliquer. Elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et elle apporte à chacun quelque chose de différent. Certains la voient pour ses conseils, d'autres pour sa conversation, d'autres encore pour le plaisir. La plupart de nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle ne leur fasse découvrir. D'après ce que vous dites, on dirait une sorte d'oracle? Non, pas au sens où vous l'entendez. Ce n'est qu'une femme, mais une femme dotée d'une grande compassion et d'un esprit généreux. Je vous conseille de la rencontrer afin d'en juger par vous-même. Je n'ai plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. C'est toujours un plaisir de... Nelina? Oui, Shaira? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. Oui, bien sûr, madame. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Où dois-je aller? À l'étage. Elle vous attend là-haut. Même les humains trouvent la favorite irrésistible. Bienvenue. C'est ma première fois. Je me demande pourquoi je ne suis pas venu avant. Vous faites partie de l'Alliance. Mon frère est soldat sur Terre. N'approchez plus, commandant. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle.